Un cours en miracle. Livre d'exercices pour étudiants. Leçon 78. Que les miracles remplacent toutes les rancœurs. Il n'est peut-être pas encore tout à fait clair pour toi qu'à chaque décision que tu prends, tu choisis entre une rancœur et un miracle. Chaque rancœur se dresse comme un écran de haine devant le miracle qu'elle voudrait dissimuler. En le levant devant tes yeux, tu ne vois pas le miracle qui est derrière. Or, tout ce temps, il t'attend dans la lumière, mais tu vois tes rancœurs à la place. Aujourd'hui, nous allons aller au-delà des rancœurs pour regarder le miracle à la place. Nous renverserons ta façon de voir en ne permettant pas à la vue de s'arrêter avant de voir. Nous n'attendrons pas devant l'écran de haine, mais nous le déposerons et le lèverons doucement, les yeux en silence pour contempler le Fils de Dieu. Il t'attend derrière tes rancœurs, et comme tu les déposes, il apparaît en pleine lumière à l'endroit même où se dressait chacune d'elles. Car chaque rancœur est un blocage à la vue, et lorsqu'il est levé, tu vois le Fils de Dieu où il a toujours été. Il se tient dans la lumière. Mais tu étais dans les ténèbres. Chaque rancœur a rendu les ténèbres plus profondes et tu ne pouvais pas voir. Aujourd'hui, nous essaierons de voir le Fils de Dieu. Nous ne nous laisserons pas être aveugles à son sujet. Nous ne regarderons pas nos rancœurs. Ainsi est renversée la vue du monde, comme nous regardons vers la vérité, loin de la peur. Nous choisirons une personne que tu as utilisé comme cible de tes rancœurs et nous mettrons de côté les rancœurs et la regarderons. Quelqu'un peut-être que tu crains ou même que tu hais, quelqu'un que tu penses aimer qui t'a mis en colère, quelqu'un que tu appelles ton ami mais que tu considères parfois peu commode ou difficile à contenter, exigeant, irritant ou infidèle à l'idéal qu'il devrait accepter pour sien, selon le rôle que tu lui as assigné. Tu sais qui choisir. Son nom t'a déjà traversé l'esprit. Il ou elle sera celui ou celle à qui nous demanderons que le Fils de Dieu te soit montré, que tu as nourri contre lui. Tu apprendras que ce qui restait caché tant que tu ne le voyais pas est là en chacun et peut être vu. Celui qui était un ennemi et plus qu'un ami, quand il est rendu libre de prendre le saint rôle que lui a assigné le Saint-Esprit, qu'il soit ton sauveur aujourd'hui. Tel est son rôle dans le plan de Dieu, ton Père. Pendant nos périodes d'exercice plus longues aujourd'hui, nous le verrons dans ce rôle. Tu essaieras de le tenir dans ton esprit d'abord, tel que tu le considères maintenant. Tu passeras en revue ses fautes, les difficultés que tu as eues avec lui, la douleur qu'il t'a causée, sa négligence et toutes les blessures petites et grandes qu'il t'a faites. Tu regarderas son corps avec ses défauts, mais aussi avec ses meilleurs côtés, et tu penseras à ses erreurs et même à ses péchés. Demandons ensuite à celui qui connaît ce Fils de Dieu dans sa réalité et sa vérité de pouvoir le regarder d'une façon différente, et de voir briller notre Sauveur dans la lumière du vrai pardon à nous donner. Nous lui demandons, au saint nom de Dieu et de son Fils, aussi saint que lui, que je vois mon Sauveur en celui-ci ou celle-ci, que tu as désigné pour être celui à qui je demande de me conduire à la sainte lumière dans laquelle il se tient, afin que je me joigne à lui. Les yeux du corps sont fermés, et tandis que tu penses à celui qui t'a peiné, laisse la lumière en lui être montrée à ton esprit par-delà tes rancœurs. Ce que tu as demandé ne peut pas être nié. Ton Sauveur attend cela depuis longtemps. Il voudrait être libre et faire tienne sa liberté. Le Saint-Esprit se penche de lui vers toi, ne voyant pas de séparation dans le Fils de Dieu, et ce que tu vois par lui nous libérera tous les deux. Sois très tranquille maintenant
et regarde ton Sauveur en pleine lumière. Aucune sombre rancœur n'en obscurcit la vue. Tu as permis au Saint-Esprit d'exprimer par lui le rôle que Dieu lui a donné afin que tu sois sauvé. Dieu te remercie de ces moments de calme aujourd'hui où tu as mis de côté tes images et regardé le miracle de l'amour que le Saint-Esprit te montrait à leur place. Le monde et le ciel se joignent pour te remercier, car il n'est pas une pensée de Dieu qui ne se réjouisse quand tu es sauvé et le monde entier avec toi. Nous nous souviendrons de cela tout le long de la journée et nous prendrons le rôle qui nous est assigné comme partie du plan de Dieu pour le salut et non du nôtre. La tentation tombe quand nous permettons à chacun de ceux que nous rencontrons de nous sauver et que nous refusons de cacher sa lumière derrière les rancœurs. À chacun de ceux que tu rencontres et de ceux auxquels tu penses ou dont tu te souviens du passé, permets que le rôle de sauveur soit donné afin de le partager avec lui. Pour vous deux aussi bien que pour tous ceux qui ne voient pas, nous prions que les miracles remplacent toutes les rancœurs.